Bonjour à tous et bienvenue sur XCOM 2. On continue donc notre avancée sur les aliens, sur Advent. Donc on va commencer à chercher notre ravitaillement. Bon, elle forcément, elle a fini. Elle va bientôt être full en fait. J'aurai bientôt plus rien à lui apprendre à elle. Ok, donc du coup, on a dit ravitaillement. Voilà, forteresse, l'agent psy, poursuivre entraînement. Toi, on va te mettre lance neutralisante, ça t'occupera un peu. Ok. On retourne à nos ravitaillements. Nous avons récupéré toutes les ressources. Ok, nouveau personnel disponible. D'accord. Personnel inactif. Comment ça, personnel inactif au laboratoire? Bah oui, mais il n'y a pas de recherche non plus. Est-ce que tu veux... Il peut rien, il n'y a pas de recherche. Il peut rien du tout, il n'y a pas de recherche. On va pas en inventer, hein. On a tout recherché déjà. Ok, donc ça c'était fait, Donc on avait dit... qu'on allait on a installé le relais ici du coup il y a toujours un dépôt là. Nouveau cap du on va aller le chercher. 5 jours c'est des ressources, hop, ça fera des sous-sous en plus, on sera riche et on pourra abandonner la résistance, son triste sort, et s'installer sur une île tranquille. Non, c'est pas possible. Bon bah tant pis. Tant pis alors, tant pis. C'est triste, mais si on ne peut pas, on ne peut pas. Ok, des ressources. Ressources stratégiques localisées. Ok, merci. Donc du coup, maintenant que c'est fait, les ressources stratégiques ont été puisées, ont été délicieusement absorbées. Établir contact. Ouais, on a encore plein de gens à contacter quand même. On a plein de trucs à fabriquer. Donc, si on veut, on a encore de l'occupation. Mais j'ai quand même très envie d'aller m'attaquer à ces gens-là, en fait. Alors, je sais qu'il y a un sectopode. Marché noir, établir le contact. Avec l'Afrique du Sud. Ouais, mais ça c'est un truc que j'avais commencé mais que j'ai pas fini, c'est tout, c'est juste ça. Ici on peut fabriquer un relais aussi, c'est ça. Installer un relais. La résistance augmente sa collecte de 120 ressources, le coût en renseignement pour établir le contact avec les régions voisines est également réduit. Nous mettons le cap sur le Chili. Vas-y, fabrique. Je sais pas combien de contacts avoir juste en fait. Donc on va construire le relais et après on va les poncer ces gens là. Ouh, munitions traçantes. Transmettre des informations détaillées aux tireurs lors du tir et confère un bonus de visée de plus 10 lorsqu'elles sont utilisées. Ouh. Représailles. Voir le site. Ah bah il est pas loin en plus. Chrysalis gardien Goliath. Donc ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de chrysalis, au moins un gardien et quelques goliaths. Et ils seront 9 en tout. Ok. Ok, on va s'en occuper. On va aller les tuer. Et du coup... on va plutôt emmener les contrats. Voilà, j'ai très envie de voir ce qu'elle fait. On va lui filer une munition traçante, ça lui fera un bonus de visée. Une grenade, on a deux leurres, on a une grenade IEM. Ça c'est pas mal. Ouais, je la sens bien comme ça.
Ok. Eh bien. Eh ben c'est parti, on y va. On n'attend pas, on y va. Allez, s'entraîner comme ça. On ne traîne pas, on y va. On se... Du Advent, sans pitié, sans aucune morale. Allez, on commence la mission là, on se dépêche. Les soldats de la paix d'Advent attaquent un camp de résistants de la région et massacrent aussi bien les civils que les combattants. Nous allons nous déployer pour protéger ses occupants. Sécuriser le site. On les déploie et on les forces ennemies qui menacent encore la zone. J'aimerais bien booster un autre jeu aussi. Menace 1-5, les forces ennemies attaquent l'avant-poste. Éliminer toutes les unités hostiles carrément et protéger les civils. Advent est arrivé en force, tout comme nous. Vous ne pourrez pas vous camoufler pour vous déployer cette fois. Qui t'a dit qu'on voulait se camoufler pour se déployer? Je lance le crochet. Ok. Je lance le crochet. Ne pas oublier qu'il y aura probablement des anonymes aussi dans le tas. Ok, pour l'instant, on a vu personne. Ah oui, mais du coup, j'ai pas de protocole de scan, suis-je bête? Ok, on va commencer à se diriger vers les survivants. Aucun problème! Ok, en couverture, hop, tac tac, splash, lycanthrope, lycanthrope, toi, t'as pas des masses et des masses de mouvement, par contre, t'as beaucoup de pouvoir, voilà. Inspiration, octroie immédiatement une action bonus à un membre de l'escouade à proximité, faille du néant, lance neutralisante, ok. Et bloqueur. D'accord, j'y vais. Ah, pardon. Tic tic tic. Tic tic. Ok, donc au prochain tour. Je passe en vigilance. Tout le monde passe en vigilance. Je passe en vigilance. Je passe en vigilance. Scanons quoi? Vigilance. Garde, je me retranche. Ok, ça. C'est une saloperie. Ça a touché l'armure. Pas tout à fait. Oh, c'est une grosse. Comme d'hab. Elles le sont sous. Elles le sont sous. Oh, qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elles ont carrément sauté, quoi. Cible coriace, j'ai remarqué un nul. Ah ouais, mais... Voilà. C'était pas une bonne idée de venir à côté de lui, cocotte. Lui, il est du genre je tire d'abord et je pose les questions après. Ouh, il a l'air d'y en avoir un paquet de ces saloperies.
Oh là là. Oh oui. Ah oh. Oh, Jessica Dunn a péri. Jessica Dunn is dead. She is dead. Pardon. C'est pas drôle. Ok, t'as pas de cible. Ok, locker. Ah, j'y vais. Vous pouvez y aller. La voie est libre. Ok, les contrats t'as déjà joué. Baron. Baron, toi, t'as un tir à 100% sur ce monsieur. On va pas t'en priver. Voilà. Ennemi éliminé. Ça, c'est du Baron tout craché. C'est aussi pour ça qu'on l'apprécie autant. Ok, je vous fais confiance. Plus d'ennemis à proximité. Dans la pénombre. Vigilance. Voilà. Contrôle du coup. Je me dirige vers les coordonnées. Non mais passe pas dans le feu chérie. Ah mais c'est allez, vrai qu'elle est insensible, elles sont fous elles. J'avais oublié, excusez-moi. Je panique comme ça pour un oui, pour un non, alors qu'en fait. Elle en a rien à crucher quoi. Elle s'en fout comme de sa première bandelette. Le poison. Tous ces trucs là, ça lui fait ni chaud. Ni froid. Lui, il va nous faire un petit sonica. Voilà. Voilà, parce qu'on peut. Alors, on peut. Donc, on se gêne pas, on se prive pas. Ensuite, il nous reste qui à bouger. Brandenhager. What's over there? Va t'approcher par ici. Overwatch. Scan en cours. Viens sur ma position. Ok, donc on a eu plusieurs Overwatch qui se sont déclenchés. On a un gardien là-bas. Oh, le salaud. Oh, tu l'as raté. Oh, comment que t'es trop... Oh, comment que t'es trop nul. Voilà, je l'ai dit. Ne m'en veuillez pas, je l'ai dit. Affirmatif, j'y vais. Ok. Dis donc, elle en sort beaucoup, elle. Hein. Elle est efficace. Hein. Attention, sous mon pied. On en a 6 à extraire, elle en a extrait 2 à elle toute seule, quoi. Oh. C'est pas passé loin. Comment ça, c'est pas passé? Mais il est où? Il m'a attaqué, il a disparu. Mais où est-il allé? Scan en cours. Ouais, puisque là... Je l'ai bien vu t'attaquer, ça a pas de souci. Par contre, j'ai pas vu ce qui s'était passé ensuite. Du coup, Doc. Doc, d'accord, tu t'avances. J'y vais. Voilà, tu te mets en vigilance, Doc. Vigilance. Baron. En route vers la position indiquée. Ouais, s'il te plaît. Tu
va nous prendre une vie. Lance au pistolet, sentinelle. Bien compris, j'y vais. Waouh, il s'est passé quoi là? Je reste en observation. Rodimus, toi, tu restes en observation. Affirmatif, je couvre la zone. Brandon, toi, j'aimerais bien que tu t'avances. I'm trusting you here. Voilà. Et que tu nous prennes une chance. Je maintiens ma position. Saloperie qui bouge. Bien chercher ton pruneau. Voilà. Nous d'agence ça vous va bien. Dans la face le pruneau. Ouais. Aujourd'hui. Ah ouais, ce coup-là il a pas raté. Oh toi. Voilà. Et là, bah là. Là c'est juste une lame dans le dos quoi. Là mon pote. Non, fallait pas tenter. Fallait pas tenter. Mais je t'en veux pas d'avoir essayé. Hein. Ok, mon ami qui arrive. Elle va faire quoi? Oh bah oui, t'as raison. Reste là. Bien dans la ligne de mire. Voilà. Stase, non. Feu spirituel. Inflige des dégâts psioniques garantis. Un ennemi organique ne tient pas compte de la couverture et de l'armure. D'accord. Animation. Domination. Lance neutralisante. Spirituel, ça me semble. Voilà, 3, 6 à 8. Voilà, ça, ça va te faire mal à la tête, ça. Regarde, regarde, ça arrive. Et... Oh, oh, ça fait mal à la tête, n'est-ce pas? Ennemi détruit. Là, mon pote, c'était la migraine qui tue. Ok, toi, tu peux réutiliser ton grappounet. Est-ce que tu peux grappouner par ici? Non, par contre, tu peux grappouner par ici. Vas-y. Hop. Clac. Voilà. Rien par là. Bloqueur. Affirmatif. Hop là, déplace-toi un bon coup. De toute façon, toi, t'as les vigilances. Allez-y, foncez jusqu'au vaisseau. Automatique, je crois, en fait. Voilà, du coup, ça, c'est fait. Ensuite, sentinelle. Ok, je me dirige vers la cible. Ouais, s'il te plaît, dirige-toi vers la cible. Voilà, parce que là, maintenant, tu vois, on l'a en vue. Et là, on va pouvoir s'amuser avec lui. Tout simplement. Ok. Donc toi, tu vas nous mettre une petite zone mortelle par ici. Personne. Voilà, ça c'est fait. Brandenhager. Ok, maintenant on met tout le monde en vigilance. Je suis dessus, je me mets à couvert. On se met tout le monde en vigilance et eux ils vont bouger. Bah, oui. Et là. Et là ils vont prendre. Pas assez cher de fer. Oh, 9 dans ta gueule. Dis merci les munitions écran bleu. C'est son blindage qui a pris. Ah ouais mais pas que hein. Ok, la zone mortelle s'est pas activée quand eux ils ont bougé. Ouais d'accord.
Ok, donc lycanthrope. Position confirmée. Ouais, vas-y. Hop, et... Ah ouais, tiens. Une petite mèche, vu qu'ils ont souvent des grenades sur eux, ces abrutis. Oh, ça fait mal! Oh, vous avez pris cher! Ok, d'accord. Déplace. Ok, Baron. Toi, t'as un tir à 100% sur cette saloperie. Eh bah écoute, ma belle, je t'invite à le prendre, à ne pas te gêner. Pim ! Et logiquement... Ennemi à terre ! Elle a dû tuer en même temps... Ouais, c'est ça, elle a buté en même temps les Goliaths, donc du coup... Du coup, on est pas mal. Il nous reste plein de civils. Le truc, c'est de savoir dans lequel va être un anonyme. Ça, ça va être fun. Donc, sentinelle. Il y a quoi par là? Dégagez de là! Voilà, ça en fait un de sauvé. Ils viennent vers moi, ils sont sous nos pieds. Oh! Je me sens pas très bien! Ah l'enfoiré. Ah l'enfoiré. Alors là, je t'invite grandement à te venger. Voilà. Voilà, bien joué. J'ai tué un ennemi là, non? Oui. Et tu espères quoi? Un sucre? Ah, je vous jure. J'ai tué un ennemi. Bah oui, t'as tué un ennemi. Et c'est la fin de l'épisode. Voilà. Juste au moment où on se transforme en plus. Ah, super. Magnifique. Donc, dans le prochain épisode, on verra comment on va se sortir face à ces espèces de monstrueux anonymes tout laids et dégoulinants. Mais ça sera dans le prochain épisode. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures.